Donc, j'utilise la photographie selon deux moments. L'un, c'est la fabrication à proprement parler des images qui sont très simples et unitaires. Ce sont des unités photographiques. Et le deuxième temps, c'est la construction d'ensembles plus complexes, donc qui associent ces images contraires. À Angels Barcelone, l'idée est celle du croisement de deux ensembles. Dans le cas d'Index, c'est le croisement et la trame qui s'opère, la trame narrative d'une certaine façon, qui s'opère entre deux groupes d'images, entre les deux séries de chaque projection. Qui produisent des contextes narratifs plus ou moins logiques, plus ou moins simples, plus ou moins ordinaires. Donc l'association des images entre elles, l'association du langage aux images est un jeu. Donc mon travail je me suis beaucoup intéressée à ce que le français ne permet pas de signifier, mais que l'anglais pointe très bien, qui est la différence entre le play, qui est en quelque sorte l'action dramatique, le jeu de l'acteur, la construction dramatique, oui. Et de l'autre côté, le game, qui est un ensemble de règles, d'une activité, qui définit une activité ludique par des règles. Donc dans l'exposition, si je parle un petit peu des deux propositions qui sont montrées ici, dans Index, le play, c'est-à-dire le storytelling ou l'action dramatique ou l'action de chaque image, est entièrement dominée par le game qui est la règle d'association par ordre alphabétique à partir du langage, si bien que l'association des images entre les deux projections n'est pas contrôlée, elle est aléatoire et définie par cette règle. Donc. Dans Situation Comedy, la série consiste dans le croisement d'un livre de référence, celui de General Heidi, avec cette proposition qui consiste à refaire jouer ce livre et à le traduire contradictoirement, de manière autoritaire, pour ensuite s'en échapper. L'action est rejouée sur un mode académique, ce sont des étudiants d'une part, d'autre part, les scènes sont complètement jouées, mises en scène. Donc les situations sont entièrement contrôlées, à la différence de celle de General Heidi. Donc, Situation Comedy cherche à construire une image utopique, peut-être, de liberté, en ayant recours à l'humour noir, c'est-à-dire en passant par une image de l'aliénation de la liberté, c'est-à-dire une image de contrainte. Le collage et le montage sont des éléments très importants dans mon travail et il convoque la notion d'espace. Donc très naturellement, mon travail s'est nourri de tout ce qui sollicite l'espace, comme le théâtre, où sur scène il y a un espace à traverser, comme les marionnettes, où il y a un espace à construire, enfin l'espace d'une figure construite à partir de morceaux, donc rapportés les uns aux autres, un peu comme la créature de Frankenstein.